Josh? Josh! Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh, putain. Oh, bordel, Matt! Ça doit être le chemin. Oh!
Ok, reprends-toi, Anne. Merde. Ça va? Je vais bien, rien de grave. Je dois juste me calmer. Merde, il allait si vite. Quoi? J'ai dû le fuir. T'as dû fuir quoi? Il y avait ce truc, je sais pas ce que c'était. Emily, reste calme, Josh nous a embrouillés, mais... Tu ne m'écoutes pas. Em, dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'essaie de vous expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait, et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, oh là. Quelle mine? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries, partout. Et c'est là qu'on a atterri, quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée? Comment ça tombée? Je marchais lentement dans les mines, il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse. Écoutez, non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh putain, ouais, Mike! Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. Em. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt? Mm-hmm. T'es prêt? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue? Non, non, arrête.
Ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde ! Attends ! On se calme. On se calme, monsieur. Stop ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Hmm ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais... Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah ! Je l'avais dit ! Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote, et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Okay. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, je crois. Reste bien derrière moi, et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Supporte pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes.
Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Je leur ai pas demandé. Y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements de leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Les Wendigo sont ou étaient humains. Est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité en eux? Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer? Peut-être qu'on peut les soigner ou... Leur humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Il n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Enfin, s'ils sont encore humains... Oh non... Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après... Il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui, allons-y. Il est sûrement pas loin. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flammes? Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches?
une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh, bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? Vache. M. Oh, c'est rien, c'est... Ah non, c'est ma mordue et... Juste mordue. Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi, Mike? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow! Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M! Pitié! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là! Non. Avec nous! Non! Arrête, fais pas ça! Merde, j'y arrive pas. Oh putain. Tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Je pensais
Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes? Maintenant, on est foutus. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arrive.